Ce sont des populations mobilisées qui ont accueilli le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement dans les villes de Divo, Boafle et Bongouanou. Dans chacune de ces villes, le même message, Albert Mabri-Touakeus a expliqué aux populations l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que le gros village qui hier avait 1000 habitants ou 1500, qui certainement aujourd'hui en a 6000 ou 7000, ne mérite pas d'avoir un collège de proximité? Mais tout cela se fait sur la base des chiffres, sur la base de la population, des populations en âge d'aller à l'école. C'est sur cette base aussi qu'on essaie de voir si dans un village on doit construire une maternité. Et tout cela se prévoit, c'est des calculs qu'on fait. Et c'est le recensement qui nous permet de faire ces calculs. Mabri-Touakeus a précisé que le recensement n'est pas une opération d'identification à des fins électorales. Il a donc mis en garde les personnes qui empêcheraient les autres de se faire recenser. Selon le ministre Mabri, ces personnes s'exposeront à des sanctions prévues par la loi. Les élus et les chefs coutumiers de Divo, Boafle et Bongouanou en séance tenante invité leur population à se faire recenser et ont promis de relayer l'information dans les villages et hameaux. Les comités locaux de recensement général de la population et de l'habitat et les agents recenseurs ainsi que les nouveaux appareils de recensement ont été présentés aux populations de chacune de ces villes.